parce que je vois que l'affaire de ce nom-là, certaines personnes ne grandissent même pas. C'est-à-dire, quand on est là pour dire le changement, d'autres sont dedans, je ne sais pas comment le mot changement là, comment ils voient ça. Je vois que certaines personnes sont dedans, ils ne sont même pas prêts pour que la Guinée gagne la paix. Ils ne sont même pas prêts pour que la Guinée aille en avance. Pour que la Guinée aille en avance. Voilà ce que je voulais dire à certains Guinéens qui ne veulent pas vraiment la paix. Parce que moi, c'est comme ça, je les calcule. Parce que quelqu'un qui veut la paix, c'est lui. L'intéressé doit faire de sorte que ça soit bon et que le pays est calme. Je parle de le monsieur, on dit Fode Soumaba, quoi là, avec un autre frère et soeur, Gianni Alpha. Vous-même, la famille, regardez les deux personnes là. Excusez-moi, hein, mais on doit se dire la vérité. Parce que là où on est comme ça, là, si on ne se dit pas la vérité, la Guinée ne va pas changer. Si on ne se dit pas la vérité, la Guinée ne va pas changer. Il faut qu'on arrête de supporter certaines paroles qui ne donnent pas de sens, c'est-à-dire qui nous donnent, qui doivent. Qui met le feu au pays. Parce que tout simplement, quelqu'un qui vient parler comme ça, tu as même avis que l'intéressé. Non. Je peux avoir même avis que toi. Mais si tu dis certaines choses qui peuvent nous donner la honte, je te corrige là-bas. C'est ça la vie. Donc nous les Guinéens là, si on ne se dit pas la vérité, la Guinée ne va pas changer. La Guinée ne va pas changer. Je vais vous dire la vérité. Le papa là est notre frère. Que leur parole est sous la toile depuis hier. Vous-même, asseyez-vous, vous allez voir les deux personnes là-même. Les deux personnes-là, regardez leur bien même. Quant à le papa-là, troisième mandat ici-là, j'ai la photo sous la page, ça s'est passé devant nous tous ici. C'est-à-dire, un Guinéen qui ne parle pas qui ne parle pas le bon parole qui peut avancer le pays-là. Qui peut éviter le dégât. C'est un papa là qui va venir s'asseoir, parler quelque chose que certains Guinéens vont venir réclamer sous sa parole. Sous sa parole. Surtout l'affaire de ce nom. Les personnes qui ne disent pas la vérité dedans, on ne doit pas les écouter. C'est ça qui est la vérité. L'affaire de troisième mandat ici, là, on a vu le papa là, ce qu'il a dit ça, ce qu'il a dit dedans. Il ne faut pas qu'il vienne nous parler quelque chose aujourd'hui et que les gens vont prendre ça en considération. Certains vont sortir parler parce que c'est leur ethnie. C'est l'affaire d'ethnie là que je veux que vous sortez dedans pour que le pays là puisse aller en avance. Parce que je vois dans certaines Guinéens que vraiment
ils ont ça dans leur corps. Et tant que tu as ça dans ton corps, tu pourras pas parler quelque chose de bon qui pourra avancer le pays là en avance. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu dois te mettre à la position pour dire que je suis guinéen, un point c'est tout. Je dois le faire parce que je suis guinéen. Je dois travailler parce que je suis guinéen. Je dois faire certaines choses parce que je suis guinéen. Je veux que ça soit bon. Mais une fois seulement que tu te mets à la position des racistes là, même parole qui va sortir dans ta bouche ne serait pas bon. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, la famille. Notre frère, je remercie Dieu parce qu'il a pu comprendre, il est sorti pour pardonner. Quand tu connais ton défaut là, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon et que tu sors pour pardonner, ça, je dis à tous les Guinéens de lui pardonner. Parce que Dieu même nous pardonne. Ce qui est grave là, tu connais ce que tu as fait là. Mais tu refuses de pardonner. C'est ça qui est difficile. Mais le message que je peux dire à notre frère là, concentre-toi de ta musique. Pour que tu vas gagner, tu vas te faire de l'argent d'abord dans ça. L'affaire politique là, ça, politique là, le temps ne finit pas. Mais ce que Dieu même a mis dans ton corps là, il faut te concentrer sur ça d'abord. Il faut te concentrer sur ça d'abord, mon frère. Je suis une sœur pour toi. Si je ne te dis pas la vérité là, je ne vais pas te mentir, Gianni Alpha. Il faut te concentrer sur ta musique là. Les Guinéens aiment ce que tu sentes. Les Guinéens t'applaudissent pour ce que Dieu a mis dans ton corps là. Concentre-toi de ça. Concentre-toi de ça d'abord. Pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Pour que tu puisses aller jusqu'au bout, mon frère. Là, un pays qui est à terre comme ça, là, ne vient pas te mettre aux toiles à faire certaines choses. Ça va gâter ton avenir. Ça va gâter ton avenir, je vais te dire la vérité. Parce que parole que tu vois là, il y a, surtout si tu n'es pas sous la vérité. Et l'affaire de la Guinée, là où on est comme ça, c'est quelque chose qui est grave. On doit faire de sorte qu'on quitte sur le chemin là pour qu'on puisse se mettre sur le bon chemin. Donc, toi qui vas sortir aux toiles pour parler des choses qui peuvent donner le feu, Dieu là, il regarde les choses. Je vais te dire ça. Il regarde les choses aussi. D'abord, FNDC là, on est sorti ici pour dire que il ne faut pas que les gens se sortent maintenant sur la rue. Trop, c'est trop. Vous avez forcé ça. Mais Dieu a fait que, vraiment, au feu qui était allumé là, feu qui était prêt pour allumer là, Dieu a mis sa main sur ça. Et c'est beaucoup de Guinéens qui prient aujourd'hui, matin, midi, soir, pour que la Guinée gagne la paix. Pour que les Guinéens s'attendent maintenant pour pouvoir développer le pays là. Les bons Guinéens prient matin, midi, soir pour ça. Si Dieu est là à écouter la prière là, et que vous êtes là, vous voulez toujours
que le feu là soit là, sous quelque chose qui n'est pas correct, il faut que tu fasses attention beaucoup, mon frère. Il faut que tu fasses beaucoup attention pour ne pas que tu te vois quelque part demain. Tu es très jeune, tu as l'avenir d'abord. Concentre-toi sur la musique. FNDC là, au temps de Alpha Condé, je faisais partie. On dit il faut faire toujours palabre que tu as chose dedans. Comment dirais-je? Tu as ton pardon dedans. C'est palabre là que tu dois faire jusqu'au bout. Au temps de Alpha Condé là, on sautait. D'autres sautaient dans neige ici, dans le froid, pour aller. Parce que nous tous, on voyait ce qui était sous la toile n'était pas bon. N'était pas bon. Alors, si on a autres personnes aujourd'hui qui sont venues, qui veulent que tout change, on attend. On dit trop pressé, tu danseras la musique. On attend. Nous tous, on est Guinéens. Là où on est là, les Guinéens ne dorment plus maintenant comme avant. Le monde a changé. Tout se passe aujourd'hui devant nous. Tout se passe aujourd'hui devant nous. Si on voit que c'est même rythme de Alpha Condé là qui va continuer, la population qui est là maintenant ne dort pas. Il est là à surveiller les choses. On n'a qu'à se dire la vérité. On doit faire de sorte que le mensonge là quitte dans l'affaire de la Guinée maintenant. Qu'on se regarde dans les yeux comme ça, qu'on se dit la vérité. C'est ça. Même si c'est notre président là, qui va venir demain ou après demain, ou bien qui est là-bas d'abord comme ça, s'il prend une décision qui n'est pas bonne pour les Guinéens, on doit en parler ça. Quand quelqu'un vient pour vous diriger, c'est pas parce que tout le mot qu'il va dire, vous allez être d'accord pour ça. Il y a des mots qui ne sont pas bons. Donc c'est ça. Les personnes, le papa qui a accepté le troisième mandat là, qu'est-ce qui va sortir dans sa bouche de l'affaire de la Guinée et que vous allez être là à lui féliciter sur ça ou bien à dire que c'est notre parent? On n'a qu'à être honnête. Là où on est arrivé là, même si c'est le premier ministre qui fait quelque chose qui n'est pas bon et que ça ne va pas aller dans l'intérêt de la Guinée, on ne doit pas en parler ça ensemble. Sortez dans l'affaire d'Etiné là. Travaillons ensemble. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui nous manque quand on se met sur le point là tout de suite là. La Guinée va aller en avance. Quand on se met sur la position de dire que je suis Guinéen, je dois faire parce que je suis Guinéen, la Guinée va sortir dans là où on est comme ça là. Je vais vous dire la vérité. La Guinée va sortir dans là où on est comme ça là. Mais tant que tu as idée autrement dans ta tête là, ça ne va pas marcher. Ça serait comme le troisième mandat de Alpha Condé. Ça ne va pas marcher. Donc parlons des choses vraiment que la Guinée a besoin maintenant. Parlons des situations qui se passent, des difficultés qui sont sur nous aujourd'hui. Ce qu'on doit corriger, ce qu'on doit mettre sur le point. Arrêtez de m'appeler, je suis en ligne. Ce qu'on doit mettre sur le point pour que le pays là puisse sortir dans cette situation. Parlons de ça. Parlons de ça. Moi, c'est parce que même j'ai mon enfant ici, je dois prendre soin de lui. Parce qu'il est petit. Sinon, si j'avais pas d'enfant là, j'allais descendre en Guinée là, de Conakry jusqu'à Lula là-bas.
Parce qu'il faut marcher en Guinée pour vérifier les choses et filmer les choses, venir montrer. Pour vous dire qu'on est en retard. Je vous ai bien dit que arrêtez de m'appeler si vous êtes là à me voir sur la ligne. Il faut marcher à l'intérieur de Conakry, dans les quartiers, jusqu'à Alola, jusqu'à dans les lieux où même les véhicules ne partent pas là-bas. Les gens souffrent en Guinée là-bas. Vous, vous pensez que quand on dit la Guinée, c'est Conakry seulement, c'est que les gens voient dans la bouteille là-bas. Il y a ça. Allez-y à l'intérieur du pays. Il y a des villages qui n'ont même pas de route. Les personnes là sont au fond là-bas. Là. Ils ont des difficultés. Ils n'ont même pas, si les gens là avaient réseau, ou s'il y avait le réseau là-bas ou sauge, et même ils allaient filmer des choses pour montrer ça. Il y a des choses au pays qui sont très 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 graves. Parlons de ça pour que ça change. Comment on peut se organiser? Comment on peut en parler avec l'État qui est là, qui veulent vraiment le changement? Comment on peut l'aider pour lui montrer des choses pour qu'il puisse mettre au point avant d'aller où vous êtes là? C'est quand un papa vient s'asseoir pour parler des mots qui peuvent mettre le feu parce qu'ils sont dedans d'habitude. C'est venir parler des mots ici qui peut, c'est-à-dire qui peut faire que d'autres personnes peuvent prendre ça mal, d'autres personnes peuvent prendre ça, c'est-à-dire supporter dans le mensonge comme ça. Là. Hé, hey, quittez dans ça. Mensonge là, sortez dans ça. Sortez dans ça, la famille. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Parlons des choses qui peuvent changer le pays là maintenant. Les paroles bidons qui ont laissé le pays là derrière, sortez dans ça maintenant. S'il vous plaît. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est ça. C'est pas des paroles qui vont venir mélanger la tête des gens. Nous, on veut la paix, vraiment. On veut vraiment la paix. Et on veut plus maintenant mensonge là. On est fatigué dans tout ça là. Faisons de sorte que le pays là soit maintenant dans la paix. S'il vous plaît. Et mettez dans votre tête que vous êtes Guinéen, c'est tout. C'est tout. Quand un soussou sort là et qu'il parle mal là, corrigez l'intéressé. Un point, c'est tout. Un malin qui sort, il fait quelque chose qui n'est pas bon. Corrigez l'intéressé. Ça va se passer. Un soussou sort, un peu le sort. On fait comme ça là. Il aura la paix du cœur. Mais pas quand un soussou vient parler, d'autres vont venir s'asseoir aux toiles. Ils veulent négliger les soussous. Ils veulent mettre les gazés par là. Ils veulent mettre les soussous par là. C'est le parole là qui est là qui fait que la Guinée ne peut pas aller en avance. Parce que quand tu as l'idée comme ça là dans ton corps, même en travaillant, tu ne vas pas faire bien. Toujours, ça serait dans ta tête que au lieu de mettre telle personne ici là, qui mérite, qui est soussou, qui est malinqué, attends, je vais mettre mon parent là-bas. Parce que c'est l'idée là qui sera dans ta tête, tu vas travailler avec ça. Sortez dans ça maintenant, pour que le pays là va voir le soleil et la paix du cœur. C'est tout ce que moi je peux vous dire, la famille. On est Guinéen, travaillons dans ce sens-là. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et disons la vérité là où ça est. Quelqu'un ne peut pas sortir sous la toile comme ça, là, parler quelque chose qui n'a pas de sens.
et l'intéresser à supporter l'injustice avant, devant tout le monde ici, qui va venir s'asseoir encore, c'est-à-dire, c'est quand tu es faux en Guinée qu'on t'applaudit. Quand tu es vrai là, on ne t'applaudit pas. C'est ça que je vois. C'est quand tu es faux qu'on t'applaudit. Sortez dans ça. Parce que c'est Foya là qui a mis la Guinée en terre. Donc, s'il vous plaît, on veut la paix et le développement. On ne veut pas les anciens modes qui mettaient la Guinée derrière là. Nous, on est fatigués dans ça. Et tout ce que moi, je peux vous dire, mon frère, concentre-toi de ta musique. Il y a des choses qui y a des bonnes choses qui t'attendent devant. Il faut préparer. Deux combats ne peuvent pas aller ensemble. Là où tu es comme ça, là, ton son, ça vient de commencer. Moi, j'ai vu ton dédicace combien de fois? Tout dernièrement, ce qui s'est passé en Guinée. Tu as vu comment le monde est sorti pour aller t'accueillir? Vous êtes là pour faire amuser les gens. Pas pour mettre quelque chose qui peut détruire le pays. Il faut te concentrer sur ta musique. C'est tout. Quand tu auras beaucoup d'argent là et que tu es maintenant dans les 50 et quelques, si tu veux te présenter comme candidat, tu te présentes. Tu es dans les 40 ans et quelques, si tu veux te présenter comme candidat, tu te présentes. Au moins à travers de tes sons là, les gens vont sortir, mais il ne faut pas commencer en ce moment-là à faire des choses qui vont te salir. C'est tout ce que moi je peux te dire comme un conseil. On veut vraiment que le pays là aille en avance. Il faut qu'on se dise la vérité pour que ça change. Donc c'était ça. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Que Dieu fait de sorte que les gens qui sont là-bas, là, puissent changer. Parce que nous, on veut le changement. On n'est pas là pour parler maintenant trop. On n'est pas là pour écouter les mensonges. On n'est pas là pour des personnes qui ne veulent vraiment pas envoyer le pays là en avance. On n'est pas là pour eux. On veut la paix du cœur.